Voilà donc un peuple qui aspire à l'existence, à l'honneur et à la liberté. Il cherche à fuir une atmosphère suffocante afin d'aller respirer un air nouveau au soleil. Dans les conditions actuelles, les Juifs ont devant eux trois routes. L'une est la soumission apathique à l'insulte et à la pauvreté. Une autre est la révolte, l'hostilité franche envers un système social injuste. La nôtre est la troisième voie. Nous voulons monter à un niveau supérieur de civilisation. Répandre le bien-être à l'étranger. Construire de nouvelles autoroutes pour les relations entre les peuples et ouvrir une brèche pour l'avènement de la justice sociale. Et tout comme notre poète bien-aimé a transformé ses chagrins en chansons, ainsi, sur le métier à tisser de nos souffrances, nous tisserons des progrès pour l'humanité que nous servons. À Bâle, j'ai créé l'État juif. Si je disais cela aujourd'hui, tout le monde se moquerait de moi. Dans 5 ans peut-être, dans 50 ans sûrement, tout le monde acquiescera.